Aujourd'hui, je trail des pyramides noires sur le 35 km. Donc ici, on est au site minier 99 bis. Regardez derrière, le chevalet. Voilà, on est au bon endroit. Hein. Donc là, on va aller se diriger vers les navettes pour aller à Noyelles-sous-Lens pour le vrai départ. Donc voilà, il fait beau. Regardez, ouh, il fait super beau. On va s'éclater aujourd'hui, ça va être vachement sympa. Et comme on dit, ça va charbonner sévère. Allez, à toutes. Allez, c'est parti, 35 km. C'est parti. Allez, au deuxième kilomètre, on est dans l'Arena Terry Trail. Donc c'est ici que se passent les backyards, les Infinity Trail. Donc ici, ils ont tout aménagé pour faire un espace trail avec des équipements adaptés. Et ils ont fait aussi une école de trail pour les jeunes, 6 à 17, quelque chose comme ça. Donc c'est super sympa. Et le spot est génial ici. Il y a de quoi faire quoi. Allez quoi? C'est que le début. C'est les 55, je pense. Non, c'est nous. Super.
souvenir les amis. C'est super. Altéri 94. Venez, c'est un super spot. Et la vue, elle est dingue ici. Là on prend des petits escaliers à droite à gauche, un peu casse-pattes, mais ça chauffe et c'est bien. Vous voyez, petit escalier, hop, petit escalier, un petit toboggan. Vous pouvez venir aussi avec les enfants, il y a plein d'activités ludiques, des petits toboggans, des petites aires de jeu, il y a de quoi faire ici. Yeah, 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 sans tomber, sans tomber. Oh, elle est belle. Il est chelou. Allez, kilomètre 5. On est sur les étangs de pêche de la commune de Arne. Un beau petit spot ici. Vachement sympa. Je vais aller en avoir un autre à Wani. Pas à Carba. Bon, on n'y est pas encore. Allez, c'est reparti. Allez, petit point course. On est au plus ou moins 5e kilomètre pour à peu près 30 minutes. Donc on est bien. Le but aujourd'hui, c'est pas de se cramer. C'est de prendre du plaisir. Y aller tranquillou. Tranquillou bilou. Et oui, parce que dans un mois, il y a l'ultramarin. Et là, ça va bien piquer les jambes. Donc aujourd'hui, on prend du plaisir, on y va. Voilà. Molo, molo. Allez, un petit point sur les formats de course. Sur ce trail des pyramides noires. Donc, il y a 4 courses aujourd'hui qui sont prévues. Il y a un 22 km. Un 35, un 55 et un 110. Donc moi je me suis engagé sur le 35. Voilà, voilà. Et là on est sur le petit chemin, bien sympathique. En sachant que pour le 35, il y a un ravito de prévu. Enfin, il y en a deux. Il y a un ravito de prévu au 22e kilomètre. Et à la fin quoi. Au 35e avec le maillot, la médaille, si on va jusqu'au bout. Et je tiens à signaler que le balisage est top, on peut pas se perdre. Super. Super. J'adore ces petits passages comme ça. J'en profite pour faire un clin d'œil à Mathieu qui court pour les bobos à la ferme. Un beau challenge Mathieu, bravo à toi. Et puis Jérémy qui s'est aussi engagé sur le 55. Donc courage à vous deux les gars. C'est vraiment très, c'est très sinueux. Et puis, on retrouve un peu de gadou. Hop là.
Alors ici, je sais pas où on est, peut-être Fouquier, mais en tout cas ici, je sais pas si vous connaissez du disc golf. Essayez un coup, regardez sur internet le disc golf. Il y a plein de parcours dans le Pas-de-Calais et c'est vraiment une animation sympa à faire entre amis ou même avec des enfants. C'est vraiment sympa. Allez voir, disc golf. Monsieur Johan Stuck. Allez. Oh, yes. Avec quoi? Allez, kilomètre 9, passage dans le bois de Florimont, dans la commune de Arnes. Beau petit bois, bien sympathique. Jo, petit clin d'œil. Pour l'instant, RAS, tout va bien. 9e kilomètre, en moins d'une heure, quelque chose comme ça. Pas 55 là. Bonjour! Donc voilà, on continue notre petit bonhomme de chemin. Let's go! Alors c'est quoi vos prénoms là? Nicolas. Nico? François? François et Louise? Louise? Yes. Alors ça va? Comment les 10 premiers là? Tranquille. En gestion. Tranquille. En gestion? Comme moi, ça tombe bien. Sauf que toi tu bluffes. Hein? Sauf que toi tu bluffes. Ah non non non, je bluffe pas. J'aime pas le poker. Non, tranquille. Vous l'avez déjà fait là? Le 35? Le 35, non, mais on a déjà fait le 110 l'année dernière. Ouais. Ah ouais, le 110? L'année dernière, ouais. Ouais, bah allez. Costaud costaud les gaillards là. Tiens, une repérage là. Et alors, et Louisa, pour ton premier 35? Moi, c'est mon premier, il m'a compris. Ouais. Ouais. Et alors? Eh bah, très bien pour l'instant. Ouais. Ça va les jambes? T'es habitué de courir cette distance là, non? Non, je vous aime. Et bah, bravo à toi. C'est la première fois que tu le fais? Celui-là, ouais. Ouais. J'ai jamais fait. Alors, ça fait pas longtemps que je cours. Ouais. Non. Bon, ça fait 2 ans. Oh, ça va. Ouais, ça va. Et les gars, ça fait combien de temps que vous courez? La semaine dernière. La semaine dernière? Bon, t'es... Un petit bout de temps quand même. 4-5 ans. 4-5 ans? Ouais. C'est cool. Bah, bonne course à vous. Hein. Merci. Merci. Allez, à toutes. Allez, un petit point course. Donc, on est 11 km. 1h07. Voilà, voilà. Bien sympa là, le petit trio. On a bien parlé. Bravo les gars. Et bravo Louise aussi. C'est pas fini mais... Un beau petit parcours. Là on est passé à côté de la ferme pédagogique de Courrières. Je vous invite à aller faire un tour. Venez avec vos enfants. Il y a des activités, il y a des pleins d'animaux, il y a des tours en poney à faire. Super sympa dans un cadre. Vous voyez, on est ici. C'est super beau ici. Allez, on prend la direction de Carvin. Allez, à tout à l'heure. J'ai oublié de vous signaler, ils font aussi un 22 km nordique. Donc ça fait tic tic tic. Normal, c'est nordique.
Allez, bon courage les Nordiques. Vous êtes sur quel tour vous? 35. Merci. Allez, courage. Ah, vous aussi. Ouais. Ah, ouais, bien sûr. Peut-être qu'il paraît confus qu'il peut pas marcher, hein. Ouais, en fait, il faut l'en. Il y avait la voiture volée assis. Ouais. Bah, tu sais, il y a quand même encore des possibilités, quoi. Oh, ouais. T'as exploré, quoi. Ah, c'est sympa, ouais. Ouais, super sympa. Allez, 16ème kilomètre, 1h36, RAS, les jambes vont toujours bien. Et on prend du plaisir, et c'est le principal. Oh oui. Ah, il y a les tic-tic devant. Tic-tic-tic-tic. Et je cours avec, c'est quoi ton nom? François. François, je cours avec François. On papote depuis tout à l'heure. Et c'est cool. C'est clair. Et François qui était engagé déjà sur le 55 par le passé. Et là il s'est dit allez un petit 35. Pour changer. Ça nous manquait le beau temps comme ça. Regarde les fleurs un peu comme ça. Ah c'est magnifique. Ça me fait une poche de panne. Que je reconnais un peu. Bon allez, bah bonne course à François. Allez, je fais une petite pause, profite aussi de du point d'eau, ça fait du bien. Bon, on arrive au ravito à peu près dans 3-4 km là. On va recharger les flasques et puis repartir pour finir ce 35 km. Avec courage. Salut, merci. Allez, c'est reparti. On arrive sur, je pense, pas très loin du terri du Tour de l'Horloge. Je vous dis ça après. Une fois que je l'aurai monté. Allez, on est à peu près au 20ème kilomètre là. Il reste un petit 2 km pour arriver au ravitaillement. Et on est bien. Il y a les jambes. Il fait beau. Alors, 20ème kilomètre. Putain, un gros pétard. Vas-y. On ira pas beaucoup plus vite. Oh non, mais je m'en fous. J'ai le temps. Oh la vache. Pourquoi on a signé? Allez, courage. Putain. En haut, c'est ravito. Allez, je la fais avec vous celle-là. Oh. Oh. Eh ben. C'est pas fini. Allez, tranquillement mais sûrement, on va la faire. Ah, ça se mérite les ravitaillements.
J'ai l'impression que ça fait 20 km que je fais du plot. Et là, c'est un film, c'est pire. Bonjour. Hop là. 28, parfait, bon courage. Merci. En bas à droite. Merci. Bon, on redescend ce fameux Terry du Tour de l'Horloge à Carvin. Il nous a bien piqué les jambes. Et là, du coup, on redescend pour arriver bientôt sur le ravitaillement qui est au 22e kilomètre normalement, je l'espère, parce qu'il commence à faire chaud. Allez. Du coup là je reviens de redescendre le Terry du Tour de l'Horloge. Donc d'après ce que j'ai pu voir, la petite histoire, c'est le Tour de l'Horloge, pourquoi? Ben apparemment c'est un... Voilà, c'est sphérique en fait. Ça tourne comme une horloge. Du coup, ben Terry du Tour de l'Horloge. Voilà. Pourquoi chercher compliqué, hein? Allez. Merde, on peut se tromper. Olé. Avec un peu comme la chaleur qui se fait ressentir. Puis 20e kilomètre. Faut bien faire attention quand même aux balises. Pour pas se tromper, ça serait dommage de faire des kilomètres en plus. Oh ça j'adore. Là-dedans t'as envie d'envoyer. Mais bon. Après le ravitaillement du 22, faut aller jusqu'au 35. Du coup faut en garder un peu quand même. Allez, courage! Je te suis! Allez! Pico, 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 pico! Et voilà! Allez, ravitaillement du 22e. Ça m'a l'air bien bon tout ça. Allez, on sort du ravitaillement, 22e kilomètre, royal, impeccable, les rails d'eau là, avec de l'eau super fraîche, du sucre, des tucs, des oranges, et tout ce qu'il fallait, du coca, bravo, un beau petit ravito, allez c'est reparti.
Allez. Un beau pétard, juste après le ravito. Moi, je vous reprends en haut, hein, parce que là, ça va être dur, dur. Allez, courage. Ça va? Y'a rien le caillou là? Ça va? Oh. Ouais, pas de soucis. Ouais. Génial. Quel kiff. À gauche, après la petite montée. Merci. Je voulais vous faire partager ce petit single là. Il est top, franchement. Je suis tout seul avec les oiseaux. Et je m'éclate depuis tout à l'heure là. Allez, j'en profite pour vous dire, je cours pour l'association Captain Louis, l'association pour mon fils. Allez sur Facebook, Captain Louis. Le bois des pinois. Commune de Libercourt. Allez. 24 km 30. Merci monsieur. Allez, 24 km 30. 2h45. C'est pas mal. Allez. C'est reparti dans le bois des pinois. Il est beau! Merci. Allez, là on monte sur un des terris de la course à Libercourt, donc c'est le terri du téléphérique. Alors, pour la petite histoire, terri du téléphérique, parce que le charbon était amené comme en montagne, en fait, un téléphérique, hein. Donc de la mine jusqu'en haut de la butte, et les chariots étaient déversés tout en haut via un téléphérique. Voilà, le terri a gardé ce nom-là.
Hop. Et donc, c'est parti pour l'ascension du Théry du téléphérique. C'est parti. D'ailleurs, il est où? Très sympa. Et le gars il m'a bien fait rire. Allez, on continue. Donc là on est sur le, si on peut appeler ça un plateau du Théry. Donc on a une belle vue sur tout le Pas-de-Calais. On arrive sur le bois des Hautes-Voies, le site 99 bis. Voilà. On arrive à peu près à quasi 30 km. 3h20. Le soleil commence à bien taper sur la tête. Mais bon, c'est un bon entraînement pour l'ultra. Allez, on relance, c'est parti. Direction Théry de Wagny. 31e kilomètre, 3h30. C'est quoi ton prénom, Chavec? Guillaume. Guillaume. Je suis avec Guillaume. On papote là depuis tout à l'heure. Il va m'emmener au bout. Ouais. Je compte sur lui. Ça va le faire. Ça va le faire. Allez. Donc là, il nous reste deux Théry. Et puis après, c'est fini. Mais bon, là, le soleil commence à bien taper. Et Guillaume, c'est ça, Guillaume? Oui. Et Guillaume, l'année dernière, 3h45 pour le 35. Bon, cette année un peu plus. À moins qu'on soit Johan Stuck, on le rattrapera pas. Mais ça reste une belle course. Ouais, oui. Faites le trail des Pyramides Noires. Eh oui. Il a raison, Guillaume. Faites le trail des Pyramides Noires. C'est vrai qu'il est bien. Ah. On va y arriver. Ouais, je t'ai rattrapé. Hein. Eh ben oui. Alors. Ah oui, d'accord. Encore lui, ok. Allez, go. Donc là, ici, on est. En France. Ici. Celui-là. Celui-là, il est là-bas, je crois. Ah, c'est là-bas? Allez, on redescend, c'est parti pour 4 km je pense, un peu moins. Oh, même pas. Même pas, ouais. Bon, c'est dans la tête. Hein. Il reste 2 km, ami. Mais oui. Allez, c'est reparti. Oh, les escaliers. Après 31 km. Ça pique. Allez. Dernière difficulté de la journée. Là. Et on arrive. Ici. Et après. Hop là. Bon, allez. C'est parti! Allez, il reste 2 km, même pas! Aujourd'hui, la difficulté, la chaleur. C'est la première chaleur. Et du coup, maintenant on redescend
là, ici. On va faire hop pour aller à l'arrivée. C'est parti. 50 mètres pour vol d'oiseau. Courage. Allez, c'est fini. Allez, c'est fini. On l'a fait. 35 km, il est fini. Thank you.